28 fermetures contre 15 ouvertures de classe, ce sont ces chiffres que les syndicats sont venus négocier cet après-midi avec l'inspection d'académie. Chiffres confirmés après 2 heures de négociation. On arrive à exactement, je prends mon petit tableau, on a 28 fermetures sur le département pour 15 ouvertures, mais on a par contre... je parle des classes, hein, en termes de classes, mais par contre on a un retrait, mais ça c'est officiel, c'est ce que le rectorat avait exigé du département, on a un retrait officiel de 36 postes d'enseignants sur le département. Les dernières négociations ont permis de sauver au Mans la classe de l'école Clairefontaine. En revanche, à la grande surprise, l'école Paul Courboulet perdra une classe. Les discussions sur la carte scolaire durent depuis février, ce que dénoncent les syndicats. On voit aujourd'hui, il y a des collègues qui doivent partir, qui doivent quitter leur classe. Ils ont travaillé pendant l'été sur la classe qu'ils pensaient prendre. Et puis finalement, ce n'est pas celle-là, c'est une autre classe et puis une autre école. Donc tout est à recommencer. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez regrettable. L'inspection d'académie devra aussi puiser dans sa réserve de remplaçants pour compenser le manque d'enseignants.